Direction le 9-1, on va aller voir le copain Ali. Il va nous présenter sa trottinette, la Rion Trust V2, la dernière en date. Une trottinette assez rare, une trottinette d'exception. Ça sera la première fois pour moi de voir cette trottinette en vrai. Donc merci d'avance à Ali. Il va nous raconter un peu son expérience utilisateur. On va découvrir un peu son profil et en connaître un peu plus au sujet de cette Rion. On se retrouve avec Ali. À de suite. Ah, je dois prendre la route ici. Let's go. J'ai le droit de rouler par là? Ah non, je dois bifurquer normalement. Putain, je dois faire demi-tour. Il est là, il arrive. Oh, 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 oh. C'est notre ambiance. Tu vas bien? Ça roule. Merci de me recevoir. On va rouler un petit peu, comme ouais, ça on aura des images. Là elle est en vrai. En exclusivité, c'est la première fois que je la vois. Ouais. Full carbone, c'est ça? Full carbone. Yes. Ok, ben montre-moi un peu ton terrain de jeu. Ok, bon, on va faire un tour et puis après, après on s'arrêtera. Okay. Ok. Ouais, ça filme. Hey, il est parti! Oh là 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 là! Ah ouais, là il y a un virage très très serré, je l'avais même pas vu. Hop, droite gauche, personne, on peut y aller. Effet bateau, petit virage. Il est parti. Des petits plots piégeurs. Je le rattrape pas. En direct de... On est où là? À Orly. À Orly. En face du Concorde. Pas très loin de Athis-Mons en fait. Ouais, on est collé à Athis-Mons, ouais. Eh bien Ali, merci de me recevoir. Yes. Avant de parler de ta Rion, je suis curieux de savoir comment t'es venu dans le monde de la trottinette. Moi du coup, je voulais arrêter de prendre la voiture là pour aller au boulot. Et okay. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser aux trottinettes et les premières que j'ai vues, c'était les E2. Ok. Donc E2, je sais plus, c'était la Booster, il me semble, à l'époque. Et franchement, j'ai kiffé. Au bout de 2 ans, malheureusement, je l'ai cassé, la colonne a cassé, en forçant un peu trop vite sur un trottoir. Et je suis parti, en fait, pour me racheter une... J'étais parti pour m'acheter une Thunder. Ouais. Je me suis dit, ah c'est cool, les de trottinettes. De Ito à Thunder, là tu passes du Coq à l'âne. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, bon bah je voulais acheter une Thunder. Et bon bah malheureusement ça s'est pas fait parce que j'étais pas entièrement satisfait. Puis j'avais vu qu'il y avait quelques problèmes par-ci et là, donc ça m'a fait un peu peur, c'est vrai. Et en cherchant sur internet, je suis tombé sur le site de Funtrot. Ouais. Et sur le site de Funtrot, bah, ils proposaient la Rion à l'époque, qui était la Rion RE60. D'accord, de Ito, tu réfléchis à Thunder, tu laisses tomber la Thunder et tu passes directement à Rion. C'est ça. Dans tes esprits. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, parce que je voulais une trottinette puissante et je voulais pas perdre de temps à acheter une moyenne gamme. Ouais. Je me suis dit, enfin, me connaissant, je savais que j'allais vouloir changer rapidement. Ouais. Et bah, la preuve, parce que là, aujourd'hui, on a la Rion Trust et j'ai la Rion RE60 qui est à la maison aussi, qui est très bien, très performante.
mais on voit les limites. Ouais, donc initialement t'avais acheté la Ito pour faire le trajet domicile-travail. Ouais, c'est ça. Pour éviter la voiture, les bouchons. Ou, exactement. Pour être tranquille sur les pistes, t'as de très belles pistes, on a pu le voir. Exactement. Et tu as continué avec la RE60 aller en au fait, travail avec ou pas? Donc, non, alors il y a eu un moment où du coup la Ito, donc je l'ai cassée. Ah, elle était cassée, ok. Donc pendant un moment, j'avais plus de trottinette. Ok. Et en fait, j'ai commandé la RE60 et le temps de la recevoir, je me suis acheté une Xiaomi, la M365. Ah oui, 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 en remplacement, enfin, en attendant de recevoir la Rion RE60, ok. Et la Xiaomi, franchement, super trottinette, ça fait 3 ans que je l'ai, franchement, il n'y a pas meilleure trottinette, je pense, pour aller au boulot. Toujours fonctionnelle. Ouais, elle va sous l'eau, enfin, elle va sous la pluie, c'est top. Une conquérante, ouais. Ouais, exactement. Et elle est toujours à la maison d'ailleurs, je la prends quand il pleut. Et par contre, les jours où il fait beau, bah, je sortais la RE60 dès que je l'ai reçue, donc j'allais de temps en temps au travail avec. D'accord, d'accord. Moi, ça me faisait à peu près une vingtaine de kilomètres pour y aller. Est-ce que tu gagnais du temps en utilisant la RE60 comparé aux autres modèles pour aller au travail, où c'était quasiment le même temps? Non, j'ai gagné beaucoup de temps. Ah, j'ai tu gagné, m'étonnes. J'ai gagné beaucoup de temps. C'est quoi tes temps de trajet estimés? Donc d'habitude je mettais 30 minutes ouais. avec la Xiaomi ouais. et là je mettais à peu près 18, entre 18 et 20 minutes à peu près ouais. Parce que au lieu d'être à 25 sur les pistes cyclables, bah, j'étais à 50 sur la plaisir, route. Tu te fais plaisir. Ouais. Ouais, voilà. Et tu gagnes du temps et en plus je pense que tu gagnes en plaisir. Ah ouais, énorme. La RE60, enfin la Rion, c'est du plaisir. C'est vrai que je sors d'une Xiaomi qui n'a pas d'amortisseur, donc quand je suis arrivé sur la Rion, j'étais pas choqué. Ouais. Elle a un amortisseur à l'arrière, il est assez rigide, mais il est présent. Il est où? Montre-moi. Donc à l'intérieur, on a un amortisseur ici, à l'arrière, avec des rods noirs. D'accord, système de rods pour ça. Amortir les irrégularités. Ouais, et à l'avant, pas de suspension. J'estime que c'est pas un problème en soi. Elle tient très bien la route, mais en effet, comparé à d'autres modèles, elle pourrait peut-être en bénéficier. Mais je pense que la tenue de route serait différente. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit, non pas dans la Rion, mais dans la Rion Trust? Parce que t'as déjà une Rion RE60. Ouais. Donc la Rion Trust, c'est ce que je disais en fait, je trouvais que la Rion 60, la RE60, elle est performante. En vitesse max, j'étais autour des 98-100 km/h. Mais on voit la limite à l'accélération et au couple. D'accord. On sent que, voilà, je sentais que parfois j'avais envie de doubler des voitures à 70. Et, ah ouais, toi avec la trottinette, t'es caractériel. Tu vas jusqu'au bout de ses limites. Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à la Vmax avec celle-là parce que. Parce qu'elle en a beaucoup. Ouais, en fait, le problème, c'est que quand on dépasse les 100, y a la prise au vent, elle est énorme. Et ce qui fait qu'on peut vite perdre l'équilibre. Ouais, d'autant plus que tu es plutôt grand de taille. Ouais, c'est ça. Donc je prends bien la prise au vent, donc en effet. Mais... L'entrée de jeu, il est parti. Le coquin. Yes. Envoie. Ah, le premier démarrage, tu m'as surpris. Tu as l'intention de vendre ta Rion RE60. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Donc la RE60, elle est à vendre. Si quelqu'un est intéressé, qu'il m'envoie un message, et qu'on pourra parler de prix après. Voilà, hey, pas d'essai sans cash, hein. pas d'essai sans rien. moi, j'ai pris la Rion Trust parce que la Rion RE60, je voyais ses limites, que ce soit au niveau de la Vmax, au niveau du couple à l'accélération. Là, on a des nouveaux contrôleurs, on a une batterie un peu plus puissante, donc la batterie, celle-là, ce modèle, c'est un 88,2 volts chargé, donc en gros, ça revient à une 76 volts nominale. Ouais, 88 volts et combien d'ampères On est à 30 ampères heure. 30 ampères heure. 30 ampères heure. C'est la plus puissante des trusts. C'est la plus puissante des trusts. Il y a l'autre modèle qui est en 72 volts, 84 volts chargé,
qui elle est à 35 ampères-heure. Donc en gros, on passe d'une 20S UP à une 21S. L'autre en fait aurait plus d'autonomie. L'autre a plus d'autonomie, voilà. Ok, et celle-ci a peut-être plus de couple. Elle a, ouais, un peu plus de puissance. Ouais. D'accord. Donc la RE60, j'étais plus à aller 35 km d'autonomie en moyenne. Ouais, ouais. Et je me suis dit, je vais prendre une qui a une 21, c'est 21 ampères-heure sur la 60, sur la RE60. D'accord. Donc dans ton comportement de conduite, ouais, je tu me suis faisais dit une trentaine de kilomètres, 35. Ouais. C'est ça, 35 ampères-heure, ce serait très bien parce que je pense que je table autour des 60 km, 70 km au moins. D'accord. Et pour l'environnement que tu exploites pour faire de la trotte, tu voulais un petit peu plus d'autonomie. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc je voulais plus d'autonomie. Ça me permettait de la charger moins souvent. On entend souvent que voilà, les batteries elles ont un maximum de cycles admissibles. Ouais. Donc là, en ayant une trottinette avec un peu plus d'autonomie, ça me permet de moins la recharger. Donc on va, pour les personnes qui ne connaissent pas encore cette trottinette, tu peux nous présenter qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce qui la diffère par rapport aux autres. Donc la Rayon Trust, c'est un body complètement en carbone, des bras en alu, on a la colonne qui est complètement qui est en carbone hein, également. On a des pneus PMT 11 pouces avec des freins Magura, donc ça c'est des MT7 Pro avec des disques en 140 mm. Ouais, Magura. Donc là, la Rayon Trust, elle a une extension de deck. Où ça? Juste ici. Ah, c'est-à-dire un sous-deck? Un sous-deck. Et en gros, donc celui-là, il y a les contrôleurs à l'intérieur. Ok. Donc là, on a la batterie. Donc la batterie qui est dense à ce niveau-là. Ici, on a le BMS. Donc c'est plus une surprise hein, pour personne. Et en dessous, on a les contrôleurs. Donc avec la Trust version 1, ce qu'on m'a demandé. Ok, donc en fait ça c'est la version 2. Ouais, ça c'est la version 2. Donc la version 2, la façon dont est fabriquée la batterie, elle est différente. C'est pas le même procédé. Je peux pas aller dans le détail, mais ils utilisent un nouveau procédé pour faire leur batterie. Et les contrôleurs également sont différents. On reste sur des ASI, mais complètement modifiés. Et un peu différent de la V1. Physique, même visuellement parlant, ils sont complètement différents. Là, le calqué, je le trouve très esthétique. Ouais, mais c'est ce qui fait qu'on craque pour Rayon. Hein. C'est un peu le design. Est-ce que tu t'en sers ou pas trop du calpier? Ouais, ça m'arrive de mettre le pied dessus. Au niveau de ta position de pied derrière, t'es comment? En général, j'essaie de mettre le talon. J'essaie de mettre le talon. Ah, toi, t'as le pied gauche derrière? Ouais, j'ai le pied gauche derrière. Et j'ai le talon qui est sur le calpier. Ça dérange en rien de mettre le pied sur le calpier ici. J'entends pas mal de personnes dire que ça peut se casser. Non, c'est archi souple et ça se cassera pas. Ok. Donc, quand on a pas mal de couple à l'accélération, on peut se permettre de mettre le pied ici et okay. Ça aide vachement. Et à l'avant, t'étais plutôt comment? Et du coup, à l'avant, j'ai le pied devant ici. Ok, ça t'arrive pas de déborder plus haut? Non, juste au freinage. Du coup, ici, on a une espèce de... Là, ça remonte un peu. On voit que ça remonte un peu ici. Ouais. Et ce qui permet justement, quand on freine... Exact, d'avoir une sorte d'appui. Exactement. Ok, ça, je le voyais pas en vidéo. Donc, quand on freine, en fait, on met le pied là et vraiment, on a l'appui sur l'avant. Ce qui permet bah, en fait de compenser, mieux freiner compenser et la charge. Ça nous empêche de passer bah, au-dessus de la trottinette. Ouais, je vois. Ok. Ensuite, du coup, sur cette trottinette, donc différemment avec la RE60, donc là on a la molette qu'ils appellent la Curve. Donc c'est la molette Rayon. Curve Throttle. Là elle est éteinte. Hein. Elle est éteinte. Ça sera la première fois que je vais toucher le. J'ai entendu dire que elle était assez longue, tu vois, quand on va jusqu'au bout, ouais. On peut encore aller jusqu'au bout, mais là je sens que je suis jusqu'au bout. Hein. Ouais. Mais c'est une. Alors c'est un système complètement différent, la sensation elle est différente. Donc là je commence à l'appréhender. Quand on commence à accélérer,
à partir de aller 70-80 km/h, on peut pas juste lâcher l'accélérateur comme ça, en pleine phase d'accélération. Parce que sinon, tu ralentis trop ou t'as comme une sorte de... T'as une espèce d'à-coup qui te fait passer par l'avant. Donc il faut accompagner. Ouais, en fait, quand on accélère et quand tu veux décélérer, il faut commencer à décélérer un peu avec le doigt et après tu peux lâcher. D'accord, tu accompagnes dans un premier temps et après tu peux lâcher. Et après, t'accompagnes un peu et tu freines. Ouais, un peu comme ce que tu me dis là, ça me fait penser un peu comme en voiture, on relâche pas l'embrayage immédiatement, sinon t'as une sorte d'à-coup. Exactement. On relâche l'embrayage calmement. C'est le même principe. Ok, mais bientôt il va falloir le permis Rion alors. Donc c'est un peu ce principe là, et je me suis fait surprendre plusieurs fois au début en accel, et je lâchais d'un coup, et on le ressent notamment quand il y a des bosses sur la route. Du coup, la main bouge. Et quand ta main bouge, du coup tu lâches parfois l'accélérateur. D'accord. Et du coup tu te rends compte que là t'as un petit à-coup en avant quoi. Là au niveau des freins, je vois une sorte de drapeau tricolore. C'est toi qui l'as fait ou c'était comme ça? Ouais, c'est ça, j'ai commandé ça sur le site Magura. J'ai commandé les petits stickers sur le site Magura. Ah, même ça, ça se personnalise, je savais même pas. Ouais. Et du coup, j'ai remplacé les stickers vert fluo Magura par le drapeau bleu en blanc rouge, parce que on a beau avoir du Rion, on représente la France. LJ, ça signifie quelque chose? C'est mon pseudo, j'ai un pseudo en ligne que j'utilise quand je joue en ligne. D'accord. Et du coup, c'est moi quoi. D'accord. Les gens peuvent te retrouver avec ce pseudo-là quelque part. C'est ça. Ok. Donc là, tu as le voltmètre. Donc là j'ai le voltmètre, donc celui-là il va être retiré, parce que j'ai expliqué à Rion que moi je voulais pas de voltmètre, étant donné qu'aujourd'hui on a l'application Rion qui est disponible sur l'iPhone. Tu l'utilises? Non, j'utilise pas, parce qu'il faut mettre à jour son iPhone. Ah ok. Donc je l'ai pas téléchargé malheureusement. Donc dans un premier temps, il faut que tu mettes à jour ton iPhone pour pouvoir utiliser la dernière version d'iOS. Okay. Exactement, okay. Pour pouvoir utiliser l'application. Mais elle est fonctionnelle, je l'ai bien vu fonctionner. Ouais, si tu mets à jour ton iPhone, ça va peut-être impacter tes autres applications et t'as pas forcément envie. La version elle était stable sur mon iPhone, j'avais pas besoin de changer de version et rapidement quoi. D'accord. Et donc du coup ça va être remplacé, et puis il restera que la molette. Ok. Globalement ça reste très simple, un petit guidon carbone. Ça c'est toi qui les as rajoutés. LED Gemini. Exactement, donc ça c'est les 4000. La nuit ça va, c'est ok. Ouais, c'est top. Hein. Ça c'est pour le smartphone. Ouais, ça c'est pour le quad téléphone. Lock. C'est du quad lock, je pense qu'on connaît tous le quad lock aujourd'hui. Ça marche bien, ça tient bien. T'as mis une petite sonnette? J'ai mis une petite sonnette. Ah, le petit sifflet. Oui. Mais c'est quoi ta sonnette préférée? Ah, c'est le sifflet de police. Ah, le sifflet de Condé. Exactement. Ouais, ça surprend. Et là, pour tes souvenirs personnels, une petite GoPro. D'habitude, je fixe la GoPro ici. Et ça me permet de filmer mes trajets, quoi. Ok. Ça, c'est les poignées Gub d'origine ou c'est toi qui les as rajoutées? Non, c'est moi qui ai mis ça. Moi, j'aime bien ces poignées. Il y a d'autres poignées d'origine, je les ai retirées, elles sont grises, c'est une espèce de caoutchouc, je suis pas trop fan moi, j'étais pas trop fan. Ouais, c'est pas exactement comme ça, mais c'est dans ce style. J'ai préféré des poignées en mousse comme ça, et Gub, je suis très à l'aise dessus quoi. Est-ce que tu as d'autres idées d'accessoirisation, d'autres projets de custom ou de personnalisation pour la Rion ou ça va là? Donc la seule chose que je veux rajouter, c'est ce que j'ai fait sur la RE60, c'est le feu arrière. À quel niveau? Ici. Ici tu veux rajouter un feu arrière? Voilà, donc sur la RE60 j'avais mis un feu arrière qui était connecté du coup à la batterie et au frein arrière, qui permettait de s'illuminer quand on freinait et qui reste en rouge en veille. Et ça, tu vas le faire toi-même ou t'as quelqu'un qui... Non, je pense que je le ferai chez un commerçant. D'accord. J'avais fait chez Funtrot pour la RE60 et je vais voir si je peux le refaire chez eux. Pour la RE60, ça va, ça tient la route, ça marche? Ah ouais, ça marche. Ok. Donc peut-être que tu pourrais ressolliciter à nouveau. Voilà. C'est pas la même technologie à l'intérieur, elle est un peu plus complexe que la RE60. Ok. Donc je sais pas trop si la modification elle va être facile au niveau du câblage. Mais voilà. Mais je pense que ce sera la seule modification. La Rion elle est belle parce qu'elle est simple.
Il n'y a pas trop d'accessoires dessus. Je ne me vois pas mettre une sacoche pour plus d'autonomie. Ouais. Je ne me vois pas mettre des grosses LED devant, des grosses loupiottes comme les Angel Eyes. Ouais, faut que ça reste simple, sobre, voilà, discrète. Exactement. La simplicité absolue. Il faut qu'elle garde sa ligne de course. Ouais, c'est cet état d'esprit que tu adoptes. Je vois très bien ce que tu veux dire. Exactement. Donc, est-ce que dans ton utilisation au quotidien, moi ça fait pas longtemps que tu l'as, ça fait combien de temps? Donc là, ça va faire une semaine et demie. Ah ouais, c'est tout frais. C'est tout frais. Durant la semaine et demie, tu as eu l'occasion de la plier, de la charger dans le coffre, de monter des marches avec? Ouais, bah, je suis parti la chercher, du coup j'ai dû la mettre dans le coffre. Aucun problème, il suffit de la basculer de ce côté-là pour pas qu'elle bascule sur les freins. Et au niveau du poids, bon, bah, elle fait son poids, hein, c'est un peu plus de 30 kg. On sent la différence avec l'autre quand même. Ouais. Mais ça reste, ça se porte. Ouais, quand tu veux la porter, tu positionnes tes bras ou tes mains comment? Du coup, moi, je la porte. Hop, je la porte sur les bras ici. Ok, tu prends par le bras. Ouais, au niveau du bras. Et devant? Et devant, je la porte en dessous du deck. Sous le deck. Et là, ça me permet de la soulever tranquillement. Ok. Ouais, parce que le gros avantage, c'est aussi son poids. Oui. Donc le poids, ça fait une grosse différence, je pense. Surtout, voilà, moi je fais 65 kg. Je suis plutôt assez léger. Ouais. J'ai une trotte qui est plutôt légère et puissante. Voilà, ouais, ça fait la différence. J'ai vu, tu t'es envolé. Hein, voilà. Dès que t'es parti, ça y est, je sais que je peux pas te rattraper. Hein. Ouais. Non, ouais. Voilà, je pense que ça fait la différence. C'est aussi pour ça que j'ai pris ça, parce que je ne me voyais pas prendre une Weped. Bon, déjà, le style, je dis pas Weped, c'est un style à part. C'est joli, on va dire, avec les RGB, etc. Mais le poids, moi, ça m'a freiné direct. Ouais. Et puis Rion, voilà, moi, le design, j'ai accroché tout de suite. Venant du monde un peu sportif dans les voitures, voilà, moi c'était le modèle qui me fallait. C'est ce que tu voulais, ouais. Maintenant que tu as la Rion Trust version 2, ouais. Est-ce que tu penses à d'autres trottinettes, d'autres... Non, bah, donc Rion, ils vont sortir, bon, ils l'ont même sorti, mais pas officiellement, la Rion Noire. On a pu en entendre parler dans une de leurs vidéos. T'es fidèle à leur actualité, tu suis un peu leur Ouais, mais moi je suis assez proche de Gal et Benjamin. Ok. On discute régulièrement. Et puis bon, bah, ils me font confiance. Alors voilà, quand ils montrent quelque chose, je vais pas leur montrer. Donc toi tu parles en anglais avec eux? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et bon, Benjamin il parle français. Ok. Mais Gal parle anglais. Ok. Et du coup, il y a la Rion Noire qui sort. Mais la Rion Noire, bon voilà, je pense qu'elle sera beaucoup plus puissante. Ce sera un peu similaire sûrement à la RE90. Donc là, je pense que je m'arrêterai pour l'instant à la Rion Trust. D'accord. On a un moment, ouais. La Rion Noire, l'état d'esprit, c'est encore une évolution pour plus de performance, plus de coupe. Exactement. Okay. Exactement. C'est, okay. ce qui est attendu en tout cas. Donc pour les personnes intéressées, affaire à suivre. Exactement. Mais en tout cas, merci de m'avoir présenté ta Rion. Non, ça fait plaisir. Très très joli modèle. J'espère que tu t'amuseras bien avec ta Rion 2, Rion Trust V2. C'est ça. Et au plaisir de se recroiser ici ou ailleurs. Au plaisir. Merci. Ciao ciao les amis. Si j'y vais un peu plus, elle y va. Oh là 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 là. Oh.